Eh bien, oui, bienvenue toujours en ce ciel Montmardi. Bienvenue sur l'hôtel éternel. J'en ai trois petits côtés là et j'en ai un beau là-bas aussi. Mais j'ai même pas de quoi. Attention, les films ici. Ici. Non. Regarde. Attends, je filme là. Toujours en ce ciel Montmardi, donc la révolte planétaire est en cours. Nous allons donc parler de synchronisation dans l'espace-temps. Une synchronicité, c'est Philippe Guillemant, je crois. Philippe Guillemant, la physique des synchronicités. Pour moi, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Si tu veux, à vitesse lumière, c'est déjà réglé, on est déjà tous morts. On est déjà des revenants. Incarnation. Qu'il y a dans le bocal, dans ton vaisseau, c'est ta carcasse. Tu vois ? Bon, pour qu'il avance, faut qu'il bouffe. Il y en a plein qui n'ont pas à bouffer, et nous on gaspille. Et dans l'autre sens, c'est pour faire monter l'esprit, c'est la science de l'éther, c'est Descartes. Tu vois ? Chaque semaine, tu montes d'un cran, tu montes d'un cran. Soit tu montes vers la bonté, la justice, l'amour. En haut, c'est le cœur et le carreau. Soit tu fais que descendre le mensonge, la corruption, l'argent. Donc, c'est pour ça que je dis l'armée des anges sur la baie. Ça a l'air con comme ça, mais c'est pas si con. Ciel Montmardi, et demain, c'est le jour des gosses. En fait, il faut réveiller l'enfant qui est en chacun de nous. On met le gosse au placard. Vous savez, j'avais fait un film. Ça. Sortir le gosse du placard. C'était l'évangile de Saint-Marc. En Espagne. Tu chauffes pas, ou tu chauffes rien. J'ai quand même pris mon gilet jaune, qui paraît qu'il y a une manif, comme je dois aller balader en ville avec le Xapa. J'aurai la caméra, puis le gilet jaune. Et puis voilà. J'aurai encore pas le temps de manger, mais c'est pas... On sera mieux ce soir. Pache salut, inchalamen, Irene. Irene Mazelto. Proteste au doc, bouddhiste au bétain, brahmo cistercien, mais il n'en existe plein encore. Hein. Moi je fais Catholman, le super-héros de l'esprit. Spider-Man, il a tante May, et la Catholman, il a Tata l'oracle. La boule de feu, elle est rentrée chez elle. Et oui, c'est con à dire, mais c'est pour ça. Même si on s'engueule, on s'engueule, peut-être la voisine était pas contente. Hein. Enfin, on gueule un peu, je claquais la porte, bah, ça va. Hein. On va s'engueuler tranquille quand même.